Dios te bendice. Amén. Pas orphelin, je viendrai à vous.
Amen, amen. Voilà. Ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. Voilà, avant de commencer, je vais donner des petites, mon petit sujet. Il est notre consolateur, entre parenthèses, le Saint-Esprit. Amen. Il est notre consolateur. Toi, qui te console. C'est ça le problème. Parce que j'ai vu d'autres personnes, pour se consoler, ils prennent un peu d'alcool. Pas un peu d'alcool, mais ils portent vraiment l'alcool. J'ai cet exemple dans notre famille. Quand notre mère est morte, et notre aîné, lui, pour se consoler, voilà, il prenait de la bière. Amen. Comme on était trop attaché à notre mère, et moi, pour me consoler, moi j'étais tout triste. De mon côté, voilà, je pleurais quand je vais. Amen. Et chacun s'est consolé de sa façon. Amen. Amen. Mais cela n'est pas une bonne manière de se consoler. Il faut maintenant retourner dans la parole et voir quelle est la parole à ce qui concerne la consolation. Toi, maintenant, c'est ton oncle qui te console parce qu'il a beaucoup d'argent. Quand il y a un problème, tu téléphones. Oncle, j'ai ceci, il envoie. Voilà votre consolateur. Peut-être que votre mère, parce que nous aussi, on croyait que voilà, qu'elle était notre consolateur. Et à sa mort, on s'est trouvé vraiment sans assistance. Amen. Amen. Voilà. Et ici, la Bible nous dit, dans verset 18, que je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. 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 Je ne vous laisserai pas orphelins. Et nous savons très bien qu'un orphelin, c'est quelqu'un qui est dépourvu d'un parent proche. Amen. Mais ici, on peut parler d'un père qui meurt et laisse ses enfants. Et un orphelin, c'est quelqu'un qui est abandonné à son propre triste sort. Amen. Peut-être que ici, qu'on a les systèmes, qu'on a tout arrangé. Mais en Afrique, on risque même de vous chasser de la maison. La personne de votre père, mais quand il meurt, on vous chasse. Amen. Alors, c'est que notre père n'est pas un autre sur la terre. Alors, un orphelin, c'est une personne qui est sans assistance. De tout ce qu'il attend de ce monde, le monde qui l'entoure, bien sûr, c'est une assistante particulière ou soit une consolation. Amen. Amen. Mais écoutez ce que nous dit Philippe dans Philippe chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Amen, amen. Quand il y a un problème, au lieu que tu puisses aller te lamenter quelque part, chez un ami, tu ne sais pas que cet ami-là, son état d'âme. Amen. Quel est l'état d'âme de ton ami-là, quelqu'un qui est en train de confier toujours les choses? La seule personne à confier son problème, c'est son pasteur. Amen, amen. Par des prières.
Amen, amen. Ce n'est pas seulement ça. Et des supplications. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui le fait connaître à Dieu. Et qui lui est maintenant la raison de qui il a été, c'est de lui supplier. Seigneur, ce que je fais, c'est ça. Amen. Amen. Dieu est capable de changer même sa décision. Amen. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra.
me verrez. Amen. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais le problème, c'est quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Mais nous, on l'a déjà reçu. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Ici, c'est Jésus qui nous parle. Mais écoutez, je prends encore une écriture vite fait. Je suis dans Ésaïe chapitre 35, le verset 6 et verset 2. Plutôt le verset 3 et verset 6. De jusqu'à 6. Ésaïe 35. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancèlent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Voilà. Les consolateurs maintenant vont entrer en œuvre. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, pas une autre personne, lui-même, et vous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs. Les langues et les muets éclateront des joies. Vous pouvez là. Là, on parle de. On ne parle pas d'une autre personne. On parle de Jésus. Que regardez, quand cet homme-là sera sur la terre, regardez ce qu'il fait. Mais il y a des fois, dans le problème, quand on manque la révélation, plutôt quand le problème nous attend, amen, on peut manquer la révélation. On peut s'en prier. La chose est que toi-même tu connais, à cause d'un problème, tu as oublié même la promesse de Dieu. Mais regardez maintenant. Là, Esaïe est en train de parler de Jésus. Mais un jour, on a arrêté Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a entendu parler de Jésus. Voilà. Et maintenant, dans la prison, sans aucune assistance, il se demande. Bon, il se demande. Qui peut me faire sortir ici? Parce que il sait cette, Jean-Baptiste connaissait bien cette écriture. Que quand le consolateur sera venu, il va faire toutes ces choses. Mais écoutez maintenant Jean-Baptiste. Parce que quand on a des problèmes, on manque même la révélation. Mais or, c'est Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté Jésus au peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais dans la prison, il manque la révélation. Il envoie maintenant ses disciples pour aller demander à Jésus. Écoutez maintenant, je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 7, verset 18 jusqu'au verset 22. Écoutez, je suis informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire. Es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? En arrivant auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes malades, les infirmités et les esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Amen. Amen. Et il répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et attendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Amen, amen. Amen. Et maintenant, Jésus se compare à une écriture. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus se compare à une écriture. Et c'est ça le problème qui est en train de tuer l'église de Dieu maintenant. Amen. Quand quelqu'un vient se comparer à une écriture, ça devient un problème. Parce que le pasteur Baou dit, amen, amen, amen. Viens de l'or. J'aime l'appeler par ce nom. Amen. Viens de l'or. Se compare à une écriture, ça devient un problème. Mais il y a plusieurs écritures. Cherchez pour l'écriture et compare-toi à une écriture. Mais où est le problème?
Cherche une écriture et compare toi et montre-nous que réellement tu es cette écriture-là. Amen. Alors quand Jésus est venu, amen, il a dit aux disciples les gens, ah, calmez-vous, amen. Mais regardez, à mon avis, je crois que c'était une petite campagne, amen, amen, d'évangélisation, guérison, miracle. Parce que la Bible nous dit à l'instant même, amen, c'est qu'on a amené les gens, amen. Comme Jésus était là, dans une campagne d'évangélisation, guérison, miracle, en même temps, les disciples, les gens se trouvent là. Amen. Et on lui pose la question. Mais regardez, Jean nous a envoyé. Et ce texte, nous allons aller lui dire. Il dit, ok, moi, je vais me comparer à une écriture. Alors, regardez maintenant. Amen. Alors, il prend un boîtier, il touche, guérit. Et ma mère, il voit, et soit, oh. Maintenant, allez dire à Jean ce que vous avez dit et entendu. Amen. Voilà la consolation que nous cherchons. Lui qui est Dieu, lui qui vous console avec ses paroles. Amen. Alléluia. Les consolateurs. Mais revenons un peu en arrière. Pour voir l'attitude des disciples après la mort de Jésus. La Bible nous dit qu'ils étaient tous abattus. Amen. Et que même certains ont commencé même leurs anciennes activités. Pierre a repris la pêche. Amen. Il pouvait aller à la pêche avec les autres. Amen, amen. Plus grave encore, Cléopas est son ami. Amen. Cléopas est son ami qui habitait à quelques kilomètres. Amen. De Jérusalem. Et aussi le prophète dit ceci, qu'il parlait en chemin, peut-être qu'il pensait d'aller retrouver encore leurs anciens, et plutôt leurs anciennes activités. Amen. Pour qu'ils puissent commencer avec ces patients, ils se trouvaient déjà, ils se voyaient déjà être orphelins. Voilà. Amen. 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 Ils se voyaient déjà orphelins. Il était vraiment inconsolable jusqu'à ce que Jésus puisse apparaître. Amen. Parce que Jésus n'a pas supporté cela. Amen, amen, amen. Écoutez ce que dit le prophète. Quand leurs yeux s'ouvrirent, plutôt quand leurs yeux furent ouverts, maintenant remarquez, il parlait de lui maintenant. Il était sur le chemin d'Emmaüs. Il allait reprendre l'air. Ancien métier. Pierre allait à la pêche et quelques autres allaient avec lui. Cléopas et son ami disaient, eh Pierre, nous irons à Emmaüs. Peut-être là qu'ils habitaient environ à une journée de sabbat, à quelques kilomètres de l'autre côté de la montagne. Et voici que l'homme, et plutôt que cet homme, cet homme à qui il avait dit, qui connaissait la parole, marcha avec lui le long du chemin. Ils étaient tout tristes. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Mais elle s'est certainement répétée. La chose se répète. Écoutez maintenant le problème. Maintenant, ce qui ne va pas aujourd'hui, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas à beaucoup d'entre nous. Amen. C'est que nous ne parlons pas assez de lui. Amen, amen. L'ange de l'Éternel est sur la terre maintenant. Après de faire ça et là, préparer toute chose. Nous ne voulons pas un conducteur anonyme. Nous voulons un conducteur qui se manifeste. Et le prophète de Dieu dit ceci, si les anges ne nous apparaissent pas, si Jésus-Christ ne nous apparaît pas, parce qu'on ne parle pas assez de lui. Amen, amen. On ne parle pas assez de lui. Changeons seulement nos habitudes et parlons assez de lui. Il sera là. Il ne va pas supporter. Quand on parle de lui, il est déjà là. La Bible nous a dit. Déjà là. Amen, amen. Mais regardez, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 10. Ils parlaient.
parlait de lui. Amen. Chemin faisant, il parlait que de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse. Voilà notre problème. Amen. Dans Jean Paul le miracle, la traduction chez Kina, par exemple 24 jusqu'à 26. Le problème de Dieu dit ceci. Que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on ne passe pas assez des anges. Amen. Mais aller au travail, faire tout ce que tu fais, mais rester connecté. Amen, amen. Dieu ne croisera jamais les pas pour ses enfants. Comme le capuchon de la terre est ouvert, le ciel aussi est ouvert. Dans le temps de la fin, il y aura les apparitions de Dieu et des hommes sur la terre. Amen. Est-ce que vous voulez que les anges vous apparaissent dans vos maisons? Amen. Si tu mets ton nom
Amen, amen. Moi, je peux mettre mon nom, toi aussi tu mets ton nom. Amen. Et je dis ceci. Consoler Honoré. Dis à Honoré. Parle au cœur de Honoré. Amen, amen. Il y a trop de problèmes. Mais parle à son cœur. Amen, amen. Que son péché est fini. Que sa iniquité est expiée. Amen. Quel est ce Dieu qui pardonne l'iniquité? Il a dit dans sa parole qu'il ne pardonnera pas l'iniquité. Mais il y a un groupe de gens que ces iniquités sont pardonnées. Amen. Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Si tu es parmi ces gens-là, dis Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait Shiloh. Mais c'est quoi ça le bâton?
bâton. C'est le bâton d'un berger. Amen, amen. Un berger a son bâton pour conduire et diriger ses troupeaux. C'est pour cela que David pouvait dire que même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Parce qu'à chaque fois que je vais me dérouter, je vois ton bâton est là. Et puis après retourner, je dis que voilà le chemin que tu fais prendre là, tu vas périr. Et quand je fais un pas à gauche, je regarde comme ça, sa boulette. Amen, amen. Il a de ses points. C'est le bâton de commandement, c'est le sceptre royal. C'est la puissance. C'est l'autorité. Amen, amen. De l'autre côté, il a l'autorité. Amen. Il a la puissance. De l'autre côté, il a le bâton. Pour te conduire. Pour te diriger. Amen. Amen.
de la vallée, est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus-Christ, est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Oh, pourquoi vous ne croyez pas que l'histoire de la vallée de Jésus-Christ? Amen, 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 amen. Amen, amen. C'est pour toi. Moi, je t'encourage, avance.
Je suis dans Jérémie. Je suis dans Jérémie 2. Voilà, Jérémie 2, dès 13. Car mon peuple a commis double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour s'écraser des citernes écrémassées. Qui ne retiennent pas d'eau. Amen, amen. Et voilà, c'est ce que nous faisons très souvent. Une table est bien dressée. Il y a de l'eau vive. Il y a une fontaine qui coule. Amen. Avec de l'eau vive. Avec de l'eau potable. Mais toi, tu dis non. Moi, je ne peux pas boire dans cette fontaine. Il y a un puits là. Je vais aller boire. Mais vous savez ce qu'on peut trouver dans les zones de puits. Amen, amen. Il y a les serpents, les lézards, toutes sortes de germes mal propres qu'on peut trouver là-bas. C'est pour cela que le prophète dit ceci. Imaginez, amen, amen, l'état mental de quelqu'un qu'on présente une source d'eau vive, mais il laisse cela pour aller puiser de l'eau dans les citernes. Hein? Il y a quelque chose dans sa tête. Amen, amen. Et c'est ce que nous faisons plus souvent. Amen, amen. On nous donne la possibilité de puiser cette eau. Amen, amen. Mais on laisse de cette eau-là pour aller dans le super crémassé. Amen, amen. Citerne crémassé, c'est quoi? C'est les marabouts. Amen, amen. Si tel est très bon, c'est quoi? C'est le pasteur Prédo Ambrosino. Amen. 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 Ah, ça fait longtemps qu'on a parlé de ce pasteur. Amen. Voilà maintenant ce que nous faisons. Vous allez voir. Consultation avec Dieu, non, avec l'argent. Tu as réussi gratuitement, donne aussi gratuitement. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? On a réussi gratuitement et on va donner gratuitement. Amen, 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 amen. Consolez, consolez les cœurs de Jérusalem. Amen, amen. Amen. Parfois, peut-être, quand tu es dans ta maison, tu n'étais pas bien. Et quand tu viens ici, quand Dieu te parle, quand tu mets le reste. Ah, mais ta chère, mon frère. Amen. 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 Dieu nous console au travers de nos spirituels. Amen, amen. Mais toi, tu viens, tu me dis, bon, je ne prêche pas sur les doigts, c'était venu comme ça. Tu viens, tu me dis, voilà, frère, les dons, ce sont là les petites choses. Ah, les dons, petites choses. Bouge avec les dons. Amen. Même Jésus sur la terre, Dieu marchait sur la terre. Il y a d'autres choses. Qui ne faisait pas comme Jésus. Amen. Il attendait le temps pour se lui montrer quelque chose. Amen. C'est pour cela dans Jean 5, 19, il dit ceci. Le Fils de Dieu ne fait rien. Amen. Il fait ce qu'il faut faire au Père. Amen. Et quand il voit le Père faire, lui aussi il le fait. Amen. 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 Même Jésus, je peux le faire. Je peux pas me faire un peu plus. Même Jésus aussi était conduit par les dons. La vision. Amen. 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 Même les prophètes aussi. Amen. Mais laisse-moi parler. Amen. Même les prophètes aussi. Et t'es conduit aussi par les dons de la vision. Amen. Mais pourquoi vous voulez enlever les dons dans la parole de Dieu? Enlever les dons dans la parole de Dieu, c'est que la parole elle reste la moitié. Amen.
écoutez maintenant l'importance des temps de la vision. Il devait aller prier pour un enfant. Lui, étant Branham, il prend tout ce qu'il pouvait prendre. Il sait que, ah, moi, Branham, quand je vais poser les mains, ça va finir. Voilà. Il vient, il entre. Il trouve comme ça, il trouve le petit. Allez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien. Le petit n'est pas guéri. Il retourne et il dit, quelque chose ne va pas. La vision vient maintenant. Selon la vision que Dieu m'a montrée la nuit. Selon la vision que Dieu m'a montrée la nuit, la scène n'est pas encore complète. Amen. La scène n'est pas encore complète. Il dit, ok. Il retourne maintenant. Il s'assoit là. À te l'attendre la scène pour la scène. Il manquait une personne. Oui. C'était la grand-mère. C'était la grand-mère. Il manquait cette personne-là. Ah. Il devait aller s'asseoir sur une chaise. Il a dit était tout seul, pas deux. Une chaise comme ça. Amen. Séparé des autres. Et le prophète était là. Il attendait que la vision puisse se réaliser. Il attendait. À un moment donné, il voit cette dame entrer. Amen, amen. Au lieu d'entrer par la porte de devant, cette dame entre par la porte de derrière. Et il dépose ses courses à la cuisine. Et quand elle est sortie, elle est venue s'asseoir sur la chaise même. Amen. Maintenant, le prophète pouvait dire au père de l'enfant, est-ce que croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Amen. Parce qu'il vient de voir que la scène maintenant est complète. Et maintenant, il peut prier pour l'enfant. Et quand il a prié pour l'enfant, l'enfant était guéri. Amen. Ils sont retournés. Amen. Quelques jours après, il dit, quand nous allons retourner, nous allons trouver cet enfant avec les moustaches, les dilets. Amen. Et il va venir à notre rencontre. Quelques jours après, ils sont repartis et rendre visite à cette famille-là. Et pendant que le frère Branham est entré, cet enfant, avec sa moustache dilée, est venu. Jaloux parce que la tour d'église n'a pas le nom. Amen. 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 Mais nous ne voulons pas que le nom puisse être un conducteur absolu. Amen. Vous pouvez priver la chose. Voilà. Ça c'est pour terminer. Je vais déjà me taire. Dans les épreuves, le Saint-Esprit sera pour nous un consolateur jamais connu depuis l'histoire du monde. Lui seul a les paroles qui peuvent rafraîchir notre âme. C'est nous dire. Amen. C'est comme Jonas pouvait dire. Écoutez Jonas chapitre 2, verset 8. Car mon âme est abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple, quand ton cœur est abattu au-dedans de toi, ne cherche pas ton oncle, ne cherche pas ta mère. Souviens-toi de l'Éternel. Promesse générale. Mais dans une église locale,
mes promesses. Je ne prierai pas pour tes promesses parce que je ne les sais pas. Mais midi, chaque jour, chaque nuit, je suis là à genoux. En train de prier pour mes promesses. Que Dieu puisse accomplir mes promesses. Parce que c'est à lui que nous avons les paroles de consolation. Qui peut consoler comme notre Seigneur? Personne sur la terre. Amenez tous vos soucis à l'Éternel. Il est le consolateur des cœurs abattus. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-le au cœur de l'Église de la vallée que votre iniquité est expiée, que votre péché est fini.